Un voyage en son hommage, sous le soleil californien, Johnny Hallyday n'aurait pas rêvé mieux. Ce 15 juin 2021, le taulier aurait fêté ses 78 ans, l'occasion pour sa petite famille d'honorer son souvenir et de s'adonner à son plus grand plaisir, les road trips dans des paysages désertiques. Ainsi, ce lundi 14, Laetitia, Jade et Joy ont sonné la ligne de départ de ce voyage souvenir, qu'elles partagent déjà sur les réseaux sociaux. Avec des photos parfois très étonnantes. Minivan de luxe, soleil, rire, musique, larmes, amour. Toutes les émotions et activités sont réunies pour Johnny Hallyday et sa mémoire. Mais les trois femmes de sa vie ne sont pas seules, accompagnées de son chéri, Michael Sean Clemenyuk. Jade est aux anges et peut déjà beaucoup compter sur son amour pour la soutenir. Mais ce n'est pas tout, Nadia Lanfranconi, actrice et musicienne d'origine italienne est également de la partie, sans oublier le prince Emmanuel Philibert de Savoie, de qui Laetitia Hallyday est très proche. Au cours de ce voyage rempli d'émotions et de bons moments, Emmanuel Philibert de Savoie, Joy, Jade et son chéri sont très souvent les mannequins de Laetitia Hallyday, qui souhaitent immortaliser chaque instant de ce road trip. Arrivée à l'hôtel que Johnny Hallyday appréciait par-dessus tout, Parker Palm Springs de Californie, la petite bande a posé dans le hall, assis sur les canapés, avec en plein centre, la pancarte « Drugs », soit « drogue » en français, affichée au mur. Tout sourire face à l'objectif. La photo prise par la jolie blonde est donc particulièrement intrigante. Évidemment, aucune publicité ou propagande ne se cache, il s'agit sans doute simplement d'un endroit qu'affectionnait le taulier, pour son côté quelque chose de Tennessee. Les fans doivent avoir hâte de découvrir les clichés de ce 15 juin, jour officiel de l'anniversaire de Johnny Hallyday. À voir aussi, la rédaction à lire aussi Adblock Test, why?